Je vous avais promis que l'équipe de Bougnoua était directe à la carte. Et nous, on a fait une belle carte. Le travail continue. Ce n'est pas parce que l'équipe de Bougnoua est tellement faible. C'est parce que nous, on a haussé notre niveau de jeu. Parce que quand nous avons une ligne de on s'est doté les moyens qu'il faut sur le plan footballeur, joueur et sur le plan logiciel pour que nous puissions faire des prestations de l'équipe. Tu viens pour avoir les trois points, sécuriser cette deuxième place, voilà, cette première place. Donc, on a fait un match aujourd'hui, bon, à maintenir une demi-heure, rien que évaluer. Rôle sur le plan offensif, l'animation offensive, dans l'équipe de Tirubar, l'animation défensive aussi, dans l'équipe de Tirubar, à maintenir une demi rectifier l'eau très tôt pour pouvoir venir financer pour mon débat de match de notre acte. Les ambitions de l'ASC, bon, les ambitions de l'ASC, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Parce qu'on nous a pris au dépourvu pour voir nous gagner bon, pour nous préparer au début. L'eau m'a dit que nous avons mis les donc, mais l'ambition, c'est comme nous avons premier objectif, c'est de sortir du premier tour. Si vous avez le premier tour, le match est coupé. L'appétit vient en mangeant selon l'adversaire que vous avez. Et tu peux gagner les matchs et avancer pas à pas. Donc l'objectif principal, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Merci. Moi qui vous remercie. Merci. Bon, premier match, vous avez gagné l'équipe Bouba. Deuxième, vous avez échoué. Non, tu sais, pour dire vrai, tu sais, le football, comme les gens disent, il n'y a pas de logique. Nous, on a tardé à préparer ces phases. Parce qu'on a joué les phases régionales une semaine après au niveau pour les phases nationales. On n'a pas eu le temps même vraiment de se préparer comme il faut. Et puis encore, tu sais, quitter ici jusqu'à Dakar, et venir un jour de repos le lendemain, tu as un match de 15 heures, ce n'est pas facile. Ça répond ici les jours. Et puis on a vraiment la majeure partie de l'équipe, je peux dire, c'est 5 cadets montants de cette année, c'est leur première année. Et puis ce n'est pas facile, les gosses qui ont jamais joué ici le polo synthétique, aujourd'hui avec le public, tout ça, ça a joué ici les gosses. Mais vraiment, je félicite l'adversaire qui a fait un match exceptionnel. Mais pour vous, qu'est-ce qui a manqué toi, dans le jeu? Non, dans le jeu, ce qui a manqué, parce qu'on avait joué un système 4-4-2, système Lausanne. Parce qu'on a étudié l'adversaire la fois passée, vraiment, c'est une équipe joueuse. Ils conservent la balle au niveau de derrière pour remonter. Vraiment, c'était bon. J'ai dit maintenant, comment faire? Il faut au maximum qu'il y ait une bataille au milieu de terrain. C'est pour cela qu'on a changé le système. Mais auparavant, on jouait à 4-4-3. Voilà. Mais vraiment, c'est une bonne équipe, c'est une grande équipe. Pour le dernier match, qu'est-ce qu'on attend? Ah, le dernier match, on va essayer de voir parce qu'il y a quelques blessés. Il y a le libéraux qui est sorti avec blessure. Et il y a le latéral aussi, vraiment. Le latéral titulaire, le capitaine n'a pas joué parce qu'il était un peu malade avec le climat. Maintenant, on va essayer de voir. Si on parvient à les avoir le match prochain, vraiment, ça fera du bien pour l'ensemble de l'équipe. Merci. Et c'est Madi Sissoko. Madi Sissoko, direct.